Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner les énergies de la semaine du 19 au 25. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, qui a envie d'avoir certaines réponses à leurs questions, vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On va prendre une petite carte des portes de l'intuition. Allez, cette semaine, du 19 au 25. Nous avons la fluidité et nous avons le but. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et la carte du but vous dit... Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, d'accord? Il ne faut pas dévier ici, hein? Il ne faut pas partir, il ne faut pas s'éloigner de son but. Le but ici, il est là et il peut être atteint. On a ici la carte de la fluidité. On vous demande tout simplement d'essayer de relativiser, d'ouvrir un petit peu le chakra de la gorge, de communiquer, de vous faire aider, hein? C'est avec les situations qui sont difficiles que vous allez pouvoir attirer de l'aide. Allez, on continue la guidance. Allez, dans quel état d'esprit? Donc, je vais tirer une petite carte. Dans quel état d'esprit nous allons nous sentir? Quelle émotion nous allons avoir durant cette semaine? Quel état d'esprit? Nous avons ici l'isolation par la suite. La voix intérieure et les possibilités. Ici, il y a un fardeau, hein, il y a un fardeau qui est un petit peu compliqué, hein, à porter. Dos de deck, on a quand même la carte de la renaissance. Donc, pour ce début de semaine, hein, vous vous sentez un petit peu, vous ne savez pas comment agir dans une situation, vous êtes un petit peu refroidi. On va vous demander d'écouter votre voix intérieure. Regardez bien cette carte, regardez ce qu'elle vous inspire. D'accord? On a ici même des dauphins qui s'amusent, qui, au fond de vous, il y a des réponses et il va falloir vous écouter. D'accord? Donc là, on a regardé hein, comme de la glace et par la suite, on a de la fluidité. Hein, on a des dauphins qui s'amusent dans l'eau. Hein. Par la suite, nous avons les possibilités. Alors, vous pouvez réussir. Hein. La carte des possibilités, c'est on a toutes les possibilités pour pouvoir se sortir de certaines situations. Cependant, on a quand même ici un fardeau. Un fardeau qui est compliqué. Donc, ça peut être pour certains d'entre vous un petit problème émotionnel, un petit problème de santé, un problème au niveau sentimental. On a quelque chose ici qui pèse beaucoup, mais on a ici cette possibilité à l'éveil, d'accord? Donc là, il faut mettre un petit peu votre âme en éveil, il va falloir être éveillé, vous voyez, il va falloir voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, donc là, on a un éveil. On a l'éveil en fin de semaine, donc il se peut que à la fin de la semaine, au bout de la cinquième carte, hein, donc ça arrive un petit peu après, il se peut que ce soit en fin de semaine que vous commencez à comprendre certaines choses. Et là, nous avons vraiment la carte de la renaissance et nous avons ici carte de couleur bleu ciel, la fluidité, chakra de la gorge, la communication et on vous demande de suivre le courant. Vous allez avancer. D'accord? On avance, on ne stagne pas. Dans l'eau ici, on n'est pas en train de stagner. On avance petit à petit jusqu'à avoir justement cette renaissance pour se sentir mieux. Allez, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs. J'ai effectué une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder. J'ai effectué une vidéo pour les signes d'eau, les signes de feu, les signes de terre et les signes d'air, d'accord? Donc, vous aurez la petite minuterie en bas en commentaire pour arriver directement sur votre signe. N'hésitez pas à aller la regarder, il y a quand même pas mal d'informations. Hein. Allez, on va tirer 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Nous avons la carte de la parole. Et nous avons la carte de l'amitié. Donc, il y a des personnes ici qui peuvent vous venir en aide ou alors des discussions au niveau amical. Allez, 5 cartes pour cette semaine. Énergie de la semaine du 19 au 25. Nous avons ici la carte de la joie, mes abonnés. Nous avons la carte de la femme. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous.
Nous avons la carte de l'hérédité, donc ça peut être une personne de votre famille aussi, c'est ce que l'on me dit, une personne qui est proche de vous. Nous avons la carte du verdict. Donc là, si vous attendez des réponses, cette semaine, vous allez en avoir, hein. On me dit ici, en plus, on a la carte du soleil. On a un petit soleil, donc vous allez vous sentir éclairé dans une situation qui a un petit peu tardé, mais là, vous allez avoir quand même des réponses. Allez, dernière petite carte. Et nous avons les projets. Donc, on a des projections ici, hein. Vous allez pouvoir. Alors, on a un petit peu de retard ici, mais vous allez pouvoir. On a une joie, on a une jolie joie pour cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous satisfaire. Nous avons la carte de la femme, la carte de l'hérédité qui peut me parler d'une personne du passé aussi. Une personne du passé qui peut revenir, vous apporter des nouvelles. Mais c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de solide, hein. Ça va vous apporter certaines émotions. On a ici la carte du verdict. Alors, c'est joli, hein, parce que ici, avec la carte de l'hérédité, nous avons la lune, nous avons l'étoile, et là, nous avons le soleil. D'accord? Donc, tout ce qui était un petit peu dans la nuit, vous allez vous sentir éclairé pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. D'accord? Donc, vous vous interposez par rapport à votre situation professionnelle, sentimentale, au niveau même de votre santé, peu importe, santé émotionnelle. On a ici un verdict qui vous apporte des projections. Donc là, vous avez un petit peu peur des projets par la suite, mais il ne faut pas ici en avoir peur. Ici, on a le verdict ainsi que les projets qui se mettent en place. Je termine avec une petite coupe. Nous avons le retour, on a le boomerang, vous voyez, on a un retour ici. Et nous avons la distance, un retour après s'être éloigné, hein. Soit c'est une personne qui revient après s'être éloignée, ou tout simplement, si vous êtes un petit peu éloigné de certaines personnes, que vous avez lâché un peu du lest, il y a un retour ici, quelque chose qui revient. On va regarder les trois prochaines cartes. Donc nous avons l'argent, l'enfermement. Donc au niveau des finances, il y a certaines personnes qui ont peur de dépenser leur argent, j'ai l'impression, hein. Ensuite, nous avons l'examen, la tranquillité. Pour certaines personnes qui ont des examens à faire, il y a un moment de tranquillité à venir ou des réponses qui vont peut-être vous apaiser. Ou alors, tout simplement, on a une réussite. D'accord? On peut avoir une réussite durant cette semaine. Et ensuite, là, nous avons le contrat et la parole. D'accord? Contrat, parole, il peut y avoir ici des signatures qui vont se faire par la suite au niveau professionnel, ou tout simplement il y a un compromis entre deux personnes ou même plus. Les discussions vont être là cette semaine pour pouvoir avoir un accord, d'accord, avec la poignée de main que nous avons ici. On a des discussions qui seront plutôt favorables. Voilà, hein, regardez, hein, derrière les cartes, nous avons la santé. Nous avons le changement, il y a un changement pour vous, hein, quelque chose qui va au niveau émotionnel. Et on a ici la carte du compromis. D'accord? Donc il y a des personnes qui vont pouvoir trouver de l'aide à venir. Mais c'est vrai que ça a tardé. J'ai l'impression que ça a tardé parce qu'on a eu quand même la carte du retard en dos de deck. Allez, maintenant on va prendre. Donc je vais vous faire choisir entre le choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Allez, semaine du 19 au 25. Alors, choix numéro 1, le 2 et le 3. Maintenant, je vais recouvrir avec une petite carte oracle qui va parler à votre enfant intérieur. C'est l'oracle des chérubins ici. Alors, 1, 2 et 3. Donc vous choisissez choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, les petits messages que vous devez avoir durant cette semaine. Et là, on vous dit en dos de deck, tout le monde a des émotions. D'accord? Vous allez en avoir cette semaine, c'est ce que j'ai vu, hein. On a la lune, on a l'étoile qui vient vous éclairer, et ensuite le soleil. On a des émotions, hein, mais il ne faut pas les refouler, ces émotions. Pour le choix numéro 1, vous avez, durant cette semaine, fait un vœu et regardez en vous. Couleur verte, chakra du cœur, rééquilibrez peut-être le chakra du cœur ici. Et on vous demande de faire un vœu. D'accord? Donc rien ne vous empêche d'allumer une bougie, de faire un petit vœu et de patienter. Voilà, après vous oubliez ce vœu, vous patientez un petit peu et puis vous verrez par la suite. En tout cas, on vous demande de faire un vœu, c'est positif.
Pour le choix numéro 2 durant cette semaine, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a la carte de la sexualité et on vous dit il n'y a rien à craindre. Donc par rapport à une situation qui vous bouleverse, on a la carte, eh bien il n'y a rien à craindre. Donc soyez quand même apaisés. Et par rapport à la sexualité, il y a quelque chose ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, je n'aime pas rentrer dans ces détails-là, mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de moment charnel, peut-être que ça vous manque un peu, peut-être que... Pour d'autres personnes, il y a peut-être comment vous dire, une sexualité qui va reprendre. En tout cas, il y a quelque chose ici hein, par rapport à la sexualité. Je vais quand même vous tirer une carte pour le choix numéro 2. Allez, que veut dire... Alors, qu'est-ce que va-t-il se passer pour le choix numéro 2 par rapport à cette sexualité? On a la santé, on a le changement et on a la surprise. Alors... On a la santé ici, peut-être des personnes qui s'inquiètent par rapport aux organes génitaux ou par rapport à un petit problème de santé, ou tout simplement ici ça va vous apporter un mieux-être, hein, je ne sais pas, ou de la communication. Regardez, on a le changement et on a la surprise. Il y a un changement au niveau charnel ici, voilà, si vous vous posez des questions. Pour le choix numéro 3, vous avez problème résolu et parle franchement et dis la vérité. Le petit oracle des chérubins vous demande de dire la vérité, de parler franchement, d'être honnête avec vous-même et avec autrui. Et on vous demande, non là on ne vous demande pas, on vous dit tout simplement qu'il va y avoir un problème qui sera résolu durant cette semaine ou cette fin de semaine. Plutôt pas mal. Voilà pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein, c'était une petite guidance. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai quand même effectuée pour les signes astrologiques. Donc c'est une guidance qui est intemporelle, hein, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez, mais on a quand même des messages qui sont assez importants, j'ai l'impression, dans cette guidance. Donc n'hésitez pas à la regarder, n'hésitez pas à éclaircir un petit peu vos questionnements, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Et puis bien sûr, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, bonne semaine à tous, au revoir.